Salut à tous les Geekmaps, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire carrément un cache-cache géant dans une grotte abandonnée les potes. Bien sûr, je suis avec tout le monde parce que là on a besoin d'énormément de personnes. Ouh, et là j'espère que vous êtes chaud les potes. Ouh. Est-ce que vous avez déjà pris une cachette même si vous connaissez pas la grotte? Et bon, ouais. Oh t'as la carte. J'ai une carte, et oui. Vas-y. Ils sont malades, ils ont cru qu'il y avait une carte. Bref, ce qui va se passer c'est qu'en fait chaque personne va se cacher dans la grotte. Et actuellement il y a une énorme map, ils vont se cacher où ils veulent. Et mon but c'est de les retrouver en à peine 30 minutes les potes. J'espère que vous êtes chaud, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo si vous êtes chaud. Si vous voulez qu'on fasse plus de concepts de ce genre. Et puis sur ce, on va commencer tout de suite cette petite vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Chaud. Ouais. Attention, ça commence dans 3, 2, 1... Cachez-vous, c'est maintenant! Courez, partez! T'es là, allez, maintenant, tout de suite! On a 5 minutes pour se cacher! Ça va, 5 minutes, on est là. Attends, je sais pas où vous allez. J'en veux pas! Attention les jeunes! Vite! T'es là, t'es encore? Oh, pardon, excuse-moi, oui, non, mais faut partir. Appuie sur le bouton. Oui, hop, là, voilà. Ouais. Oh en fait, t'as le but, c'est de partir le plus loin possible. Bon, voilà, bon, reste à deux. Et genre, tu nous aides dès que t'as une cachette pour moi. Vous se cachez, les dames crochées? Non, non, c'est le travail, il voit qu'il y a un professeur. Bref, en attendant que les personnes se cachent, je vais vous raconter un peu l'histoire de cette grotte. La grotte que nous utilisons pour faire un énorme cache-cache était autrefois une grotte où, soi-disant, d'après les légendes, se trouvaient des sorcières. La grotte a été découverte officiellement en 1982 et elle a été complètement condamnée, fermée malheureusement à cause d'un meurtre. Une petite fille âgée d'une dizaine d'années a été poignardée à plusieurs reprises. Le corps a été retrouvé plusieurs mois après, grâce à un promeneur. Donc comment vous dire que faire un cache-cache là-dedans, ça fait peur, surtout pour moi que là maintenant je suis tout seul. Là actuellement, sans cette lumière, j'ai plus de moyen de regarder parce que j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Bref, tout de suite un plan d'une personne qui se cache. Lucas, tu peux te cacher là, vas-y, là ici. Ok les gars, j'ai trop peur parce qu'en fait, il y a genre des insectes un peu partout ici. Du coup j'ai trop peur. C'est ma lampe. Je suis fatigué. Je la tiens. C'est bon. Ok. Ok, là. On a la meilleure cachette. Oh, j'ai trouvé. Là, actuellement, je suis comme vous, je vois plus à 3 mètres. Ça fait un petit peu peur. Les gars, dès qu'il est 44, je commence à les chercher. Ça fait une minute. Je bouge plus. Il faut que je règle ma respiration. Parce que sinon, il va m'entendre. On va se calmer un petit peu. Il a raison, il n'y a pas beaucoup d'air dans la grotte. Franchement les potes, n'hésitez pas à mettre un like en bas de cette vidéo si vous voulez plus de vidéos de ce genre parce que franchement c'est quelque chose que je kiffe tu vois. Est-ce qu'il y a déjà eu un cache-cache dans une grotte une fois sur YouTube? Je ne pense pas, même les Américains n'y ont pas pensé. Là actuellement je suis en train de les entendre, j'ai l'impression qu'ils font n'importe quoi. En attendant, regardez-moi ça comment c'est la grotte. Franchement, je trouve ça mais trop stylé. Là j'ai mis l'ISO à fond comme ça, ça vous permet de voir un peu tout ce qu'il y a autour de moi. Je crois qu'elle est en train de tricher parce qu'elle a mis l'ISO. Et en fait, l'ISO, il permet de mieux voir dans la nuit. Les potes, plus qu'une minute! Il reste une minute pour se cacher. Sur les amis, on va éteindre en 3, 2, 1... Oh oui, on va vraiment pleurer. Attends, mon ref, tu veux l'harmonica, là? Tu veux l'harmonica? J'ai l'impression qu'il y a des insectes qui montent sur moi. Attention les potes, c'est parti, j'arrive! A votre avis, marquez-moi tout de suite en commentaire qui je vais trouver en premier. Est-ce que c'est Lucas? Est-ce que c'est Pikachu? Est-ce que c'est Greg? Ou est-ce que c'est les autres? Marquez-moi tout ça en commentaire. Attention, déjà, il y a un truc qui est pas malin, il y a des traces de pattes. Donc déjà, il y a des gens qui sont venus par là. Et franchement, les connaissant, je suis sûr qu'ils se sont cachés dans des trucs de bâtard. Je vais jamais les trouver. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est caché là-dedans quand même. Il n'y a pas un mec qui est assez con pour se cacher là-dedans. Là, pour vous, ça doit pas être facile parce que je sais pas si vous voyez, mais moi je vois. Est-ce que j'aurais pas trouvé quelqu'un actuellement parce qu'il y a son cul qui dépasse? Attention mesdames et messieurs, il y a Joe qui a trouvé. Est-ce que c'est mon cul qui m'a trahi? Oui, exactement. C'est la première personne à avoir été trouvée. Tu sais que le pire c'est que genre t'as éclairé la page, j'ai cru que tu m'avais pas vu. En fait. Ouais. Non, c'est juste, je t'ai vu à partir tu sais de là. Tu m'as donné la cachette, je pouque, c'est Seb. Ok, il t'a trahi. Lucas, je t'aime. Allez, on continue. Non, c'est impossible qu'il me voie, frère. Ah voilà, lui il est là-bas. J'ai l'impression.
l'impression d'être dans un cercueil. Et en vrai, vous cachez un cadavre ici, on ne me retrouve jamais. À part avec l'odeur qui arrivera au fur et à mesure. Mais tu caches mon cadavre, t'es bien. Oh, je crois qu'il arrive, attendez. Je pense qu'on est un peu sauvé là. Là on va attendre pendant longtemps, je pense quand même viennent de passer. Je pense pas qu'ils vont repasser. Ok, c'est moi qui ai repris la cam, on espère que le plan il vous plaît. Ouais, comme ça au moins vous allez pouvoir directement me voir en train de trouver les gens. C'est bon, moi je vais dans les moindres recoins, je m'en fous, je suis sûr. Greg est capable de se mettre là, tu vois, un truc comme ça. Directement, un plan de quelqu'un qui est caché. What the fuck mec. Oh. En vrai je crois que je vais me taper une petite sieste. Ouais, il y a quelqu'un là-bas. En cours. En cours. Je t'ai trouvé quand même en 1 minute 30. Hein. C'était celui qui était le moins loin. Qui était exactement. Ça va, t'as ma petite lampe encore en haut, mais... Les potes, on va être obligé d'aller dans le... Dans la porte des enfers. Dans la porte des enfers. Ça s'appelle comme ça parce qu'en fait, il y a des sorcières qui... Faisaient des sorties. Oh, putain, il m'a fait trop peur. Oh, je trouve que c'est pas du tout eux, c'est une sorcière. Ouais, j'avoue. Oh, la porte des enfers, les gars. On dirait le tunnel que El Chapo il a fait pour sortir de prison, frère. Alors, on parie que je fais là et que je trouve quelqu'un. Ouais, c'est parti. Don't move. Ok, oui, il y a des anglais. Don't move. Don't move. Ah, ouais, Marie. Faites du bruit. Mais il morgue. Il morgue. Ça, lui, il a fait trop de bruit, tu vois. Ça, c'est le problème. Plus, c'est le seul con qui a fait du bruit, quoi. Les gars, on est des boss. Ils sont passés trois fois à côté de nous. Ils nous ont pas vus. Non, tu sais ce que j'ai besoin? C'est quoi? On va s'arrêter deux minutes. Tu sais ce que j'ai besoin? Maintenant, tout de suite. Là, les gars. Ça va défiler, je vais te trouver un par un, moi je te le dis. Ah, mais t'es un petit flic un jour, t'as rien de ça. Est-ce que tu voyais mes lumières? Pas du tout. Quoi, je voyais pas, parce que sur ce match, je les voyais. Toi, tu rigoles. La cam, ils l'ont vu, hein. Ah, mais putain, mais moi, je vois chier. Oh, c'est trop dur. Ah ouais, je sais que c'est trop dur. Que toute la grotte, ou alors ils sont vraiment partis de l'autre côté, tu vois. Je vais t'aider un peu à avancer, tu vois. Ah, il s'est fait avoir. De toute façon, je suis au départ. Avant qu'ils reviennent vers moi. Vas-y, toi, on la connaît un petit peu. Ils peuvent se cacher n'importe où, c'est ça le pire, tu vois. De toute façon, plus ce qui est bien, c'est plus ils trouvent des gens, plus ils trouvent des lampes et plus c'est éclair, c'est trop bien là. Après, je connais personne, je sais pas les cachettes des gens, je connaissais quoi la tienne. Moi, tu m'as envoyé dans la pierre. On va y arriver, les potes. C'est parti. Là, 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 là. C'est parti. Comme ça. Je vais jouer un peu d'harmonica pour les attirer. Tu l'as mis un harmonica et ils ont joué. J'ai pas entendu, tu m'as dit dans un jouet. Fait de l'harmonica, là, vous l'entendez, fait de l'harmonica là. On entend pas. Les gars, j'ai l'impression que c'est sans fin. On monte, on descend, on monte, on descend. Les gars, la grotte elle est tellement grande que j'ai trop du mal, elle est trop grande, ça possède. Là, mec, il me reste maintenant 10 minutes. Allumez vos lumières si vous avez des couilles. Vas-y. Comme Pierre il a dit, vous avez vu, moi je suis allé en exploration avec des Yeezy à 450 balles. Putain, on est trop bon. On est trop bien caché. Mais si toi tu te fais trouver, tu me balances pas. Ah bah oui, sinon c'est de la triche. Moi il a dit il y avait un sandwich à gagner, donc mon ref, moi je vais tout faire pour gagner. Maintenant qu'on a fait tout le trajet, on va regarder les petits endroits. Donc là tu as fait ici dans le trou, ici là à gauche, à droite. Là, à droite. Là tu as fait là? Si je te dis, j'ai tout fait mon Seb. Tu as fait par là ou quoi? Oui, oui. Tu as allé ici? Oui. Mais même ça change rien, y'a personne. Vas-y, avance. Bien sûr qu'il y avait quelqu'un en plus ici. Attends. Vas-y, monte là, là, ici. Droit, vas-y, avance. Hop. Putain. Vas-y, on a pas le temps, on a pas le temps. Ouais, ils sont bien cachés, je te le dis. Bien caché, bien caché. Ils en ont trouvé un. Et on se fait chier. Un peu, ouais. Il y a un rat, t'as dit? Tu tournes la gueule. En plus, ça a des maladies et tout. Vas-y, éclaire-moi à nouveau. Oh, tu me fais flipper, la frère, t'aurais pas pu fermer ta gueule. Oh, si c'est un rat, je me fais mordre, les gars, je suis mort. À partir de maintenant, les gars, fais plus de bruit. Le défouraille, les gars. Et faites plus de bruit. Oh.
personne n'ose aller là, ça fait trop peur. Ah bon? Allez, on continue les potes. Moi, je pense qu'ils sont en bas. Vers la grotte du diable, là, ou je sais pas quoi. Ils étaient juste à côté, ils nous ont même pas vus. Ils ont dit, non, c'est impossible qu'ils soient là parce que ça fait trop peur. Mais nous, on n'a pas peur. Moi, je suis un putain d'aventurier, je rentre dans des trous. S'il y a personne, je vous fais enculer. Tiens, je te tiens. Y'a quelqu'un là? Tiens. Oh oui! Oh, les gars, regardez à 5 minutes de la fin! Deux personnes ont été retrouvées! Attends, en plus, y'a un rat, tu vois, avec nous. Y'a un rat? Ouais, t'es parti, t'as plus de gens. Ils sont tous là, non? Ils sont deux, ouais. Ah, viens! Ouais! T'es pute! Allez, plus que dans les pattes! Je crois qu'il reste que toi et moi. T'as regardé de partout? Là où y'a les écritures ou quoi? Ouais. Oh, j'ai déjà regardé, y'a rien. T'as regardé là-bas? Je suis cuit. Non, t'as pas regardé là-bas? Allez les gars, je suis cuit. On va voir. Ah bah bleu. Les gars, c'est fini. C'est fini! Let's go! C'est fini, on a gagné! On a gagné? Mais ils sont trop nuls! Eh oui! Je suis dégoûté, je suis cuit. Je vais rentrer chez moi. Allez, on va aller retrouver les autres. Oh le bâtard, regardez où il était! Eh oui, on est là, ça va? Il était là-bas, à droite. J'arrive. Ah oh les gars, les deux grands vainqueurs sont Greg et Julian Lepaule. Franchement, un gros bravo. Parce que, moi j'en peux plus. Franchement, ça, je pense que ça va sur ma tête. Je n'en peux plus et je suis pressé de finir cette vidéo. Bref, en tout cas, si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez vraiment pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et à me marquer en commentaire si tu as des idées similaires. Bref, sur ce, merci à tous et on se retrouve à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve chez Julian. Si vous souhaitez vous abonner, c'est sur la tube à Julian. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekmap. Allez, bye tout le monde!